Eh bien salut tout le monde, c'est Macaria et on se retrouve pour le prochain épisode, enfin pour le nouvel épisode, excusez-moi, de Amnesia The Dark Descent. La dernière fois c'était assez mouvementé. J'ai eu des petits problèmes mentaux, je crois. J'ai pas pu entamer tout de suite l'épisode parce que je pense que vous en doutez pourquoi. Donc là, je crois qu'il nous manquait des trucs en fait. Genre une clé, je crois, et une tige. Si c'était ça. Ouais. Trouver la clé qui ouvre la porte de cette machine qui est là. Le verrou est cassé, trouver un moyen d'ouvrir la porte du placard. À la chambre des invités. Ça va être juste là, à mon avis, que je dois aller parce que je ne retournerai pas là-bas, ça c'est clair et net. Donc j'ai dû oublier un truc là. Je sais pas quoi, je sais que j'y suis allé l'autre fois et que j'ai rien trouvé, mais je dois chercher. J'ai dû oublier un truc. En plus, c'était devenu rouge à un moment donné, donc ça voulait dire que j'ai manqué un truc. Enfin, je crois. Nous verrons bien. Donc, pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Si j'utilisais un truc qu'on fait déjà pour un menu V, ça, bon, perforant la serrure, on sait jamais. Aiguille creuse, tampon, merde. Non, c'est pas. Ah! Oh! Ah, c'est ça alors! Oh le bordel! La clé. Okay. Please, let it be here. Oh. Oh. Une clé importante est cachée dans la chambre des invités. Ah, ah. Ça m'intéresse fort bien. Derrière les portes, non? Putain, c'est le bordel ici. Hein. Dans le placard. Et dans votre intérêt de vous cacher, j'ai vu le mot cacher, mais j'ai tout de suite été dans le placard. La porte était même pas fermée. Ah, c'est bon, t'es parti. Il sait ouvrir des portes, ce truc-là, au lieu de les défoncer. Oh. Putain, il n'y a plus de porte. Oh, elle est passée où ma porte là? Oh. Oh. Bon, cherchons cette clé. Une clé, ça doit être certainement la clé de la machine, enfin de la salle de la machine. 4th of July, 1839. J'ai réussi. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Mm-hmm. Ah,
Bon, je veux bien la clé, mais... Toi, tu as l'air suspect, tableau sans... Ah. Elle est où cette clé? Oh. J'ai un mauvais pressentiment en sortant d'ici, en fait. Viens avec moi. Ah merde, il va pas me prendre. Dommage. Il aurait pu me servir le tiroir. Bon, c'est avec bouclier. Ah, qu'est-ce que ça fout là, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur! Encore humain, non mais. Au bûcher! Bon. D ou M. Toi là, clé qui m'a. Ça, je l'ai. Ok. Mais il me manque un truc, non? Il me manque pas une tige. Parce qu'il nous avait dit qu'il y en avait trois. On va encore fouiller ici, hein. Il a lié à la salle d'études dans la note. Chaque fois que je rentre ici, ça me terrorise. N. Autour. Bon. Non, pas ça. Merde. Trois tiges disponibles, il en reste une dans la salle d'études intérieure, donc ça doit être ici. Et moi je pencherai plus vers. Putain, j'ai ça. Je pencherai plus vers la salle de torture des animaux. Je sais pas pourquoi. Ah, mais attendez. Peut-être qu'en fait ça a pris cet éboulement. Désolé. Pardonnez-moi. Je peux pas mettre un explosif là? Je sais pas quoi. Non? Ouvre-toi. T'as l'ombre du chien là, ça me fait toujours peur à chaque fois que je rentre ici. Habitué à jouer à de tels jeux, moi, c'est plus possible. Oh. Où est cette tige? Chaise avec moi. Oh. Et voilà, j'ai plus d'huile. Chaise, viens avec moi. Ça suffit maintenant, tu vas travailler, hein. Tu vas être collaboratrice avec moi. Où tu es, chaise? Chaise? Chaise a disparu. Chaise? Elle s'est téléportée jusqu'ici, c'est pas mal. Moi, je crois que c'est elle. Pourquoi il y a une boîte à Madou là? Eh bien, c'est une boîte à Madou et on s'en va. C'est tellement précieux une boîte à Madou.
chaise. Ah non, j'ai jeté chaise. Ah, j'en veux une autre. On prend la plus pourrie qui soit. Ma chaise. Aujourd'hui, la chaise, elle veut pas participer à l'aventure avec moi. Vous voyez que je peux sauter. Chaise, vas-y en premier. Non, chaise. Je sais pas. Hein. Allez, passe un jump, c'est parti, hop. Ouh. Je crois qu'il y a Chaise qui est pas contente que j'ai abandonné en bas en fait. Et j'ai plus d'huile. Oh, ça doit être là où. Ah bah la chaise elle est là. Non, c'est pas la même. Qui c'est? Qui c'est? C'est qui vient de m'insulter là? Oh, un petit écrou. Qu'est-ce que ça sera? Mon tour. Ne me suis-je pas montré réservé? Ma patience a duré des siècles. D'où je viens, les hommes ne gaspillent pas un souffle en vain. Bah, si. Pourtant, je m'incline devant toi. Je fais tellement pour toi. Mais je n'ai rien eu en retour. Agrippa. C'est qui Agrippa? Un serviteur, non? Bref. Je t'ai fait confiance. C'est moi qui rends toute justice. On a dû traverser cette porte. Quelle porte? Celle-ci. Chaise moderne, viens avec moi. Ça pue. Ça pue. Oh! Glou 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 glou. Ça pue beaucoup. Et voilà, nous nous retrouvons de l'autre côté. Là, forcément, ça s'est effondré. Un caf. Caf, ouvre-toi. Madame Adou. Ça, quoi ça? Ouais. Ouais, avec ça, je vais découper des morceaux. On va éviter de tout gaspiller quand même. Alors, si l'assassin tombe en panne, à nouveau, assurez-vous d'utiliser la machine à vapeur pour accumuler la pression avant de la canaliser dans la machine. Ouais, oh, putain, encore une énigme à la con, ça je vais pas y arriver. Ajustez le levier pour obtenir la bonne quantité de pression à l'intérieur de la chambre. Chambre. Les mètres devraient indiquer 8 haut et bas 8. Vous retenez avec moi. Assurez-vous que le flux est paramètre en fonction du tableau suivant, en fonction de l'ensemble de la porte terrestre. Ténère. Amplitude tétraphasée. Cycle. Complète. Notez que la machine ne vérifie pas l'exactitude de la configuration. Que toutes les tiges n'ont pas été insérées. Non, ça ne va pas faire. Voilà. Toi, tu vas venir avec moi. Personne? Allez, on se casse ici, là. Chaise. Chaise! Je la tiens plus, là. Alors, c'est pas grave. Voilà, casse-toi. Où allez passer l'autre? Ah! Un arbre est tombé. Pourquoi il y a mon arbre qui est tombé? Thank you.
Bon, je crois que j'ai tout là maintenant, je peux partir d'ici, hein. Et personne me stagge la gueule, s'il vous plaît. Vite, 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 vite. Je suis désolé, on peut pas passer à deux choses. Feuilleter les pages du livre de Point d'Arc à la recherche de gravures et compacts. 9 rois diffèrent à travers toute l'Europe. A été représenté. J'ai pas pu finir. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est devenu tout pourri. Oh non, les phases de vagin sont revenues. Oh, ah, oh, maintenant il y a du sang, c'est magnifique. How did we find this map? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. C'est dégueulasse. Oh putain, ce son, j'aime pas. Ça veut dire qu'il y a un monstre pas loin. On va vite se casser. À moins qu'il soit derrière cette porte. Ça me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, bah oui, forcément. Alors, clé. Ah non, si ça vient de rester des machines encore, ça va pas le faire. Je ne vais pas apprécier ce que je vais trouver. Oh non, je ne vais pas apprécier. Ça m'a l'air pourri, ça m'a l'air pourri. J'ai pas envie de continuer là-dedans. Non, c'est pas faire. Non, tu bouges pas, toi. Personne? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu comme si quelqu'un marchait dans des flaques d'eau. Enfin, même pas marcher, courir plutôt. Wadabadou! Wadabadou! Viens ici! Prends la boîte d'Amadou, bordel! Ah non! Hein. J'espère qu'il va pas y avoir de monstre, parce que là ça va pas le faire. Oh, une note. Y'a rien d'autre. Mm-hmm. 5th July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Mm-hmm. Petit coquinou, tu écoutes les conversations maintenant, toi? Stop. Protège mon cul, toi. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Pression. Ah, c'est là où je vais devoir calculer les pressions, là. 8. 8 haut, bas 8, je sais pas quoi, là. Je crois que c'était ça. Alors, ah oui. Alors, on va laisser ça. On va essayer de laisser ça normalement. Bouge plus. Voilà. Ok, d'accord.
Ça risque de prendre du temps, ça. Je pense que je vais aller voir Yar. Ça m'inspire pas la confiance. Je vais bientôt arrêter, je pense. Est-ce que ça pue énormément? Et je pense que je dois en prendre. C'est quoi cette pièce? Daniel, tu devrais pas ouvrir les portes aussi rapidement. Ferme-toi, toi. Il y a des putains de bruit, ça m'inquiète. Putain, le rouage. Ah, je peux le prendre? Ouais, bouclier rouage, protège-moi. Putain, il est lourd en plus. Bah, dame et tout. Ah. Il y a une note, il y a deux notes. Et c'est tout. D'accord. C'est un coffre, ça? Nope. On va prendre la note. Today, merde. I got one which je crois que j'ai passé from the others. Un étage. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Ouais, ce type n'est pas bien. Et là, c'est... Notez qu'il y a seulement deux tiges disponibles en stock pour la machine de l'ascenseur. Non, j'en ai trois. Assurez-vous de mettre à part celles qui sont défectueuses et de les garder. Les autres dans la salle d'études. Moi, je les ai toutes prises, hein. Bref. Attends, au cas où les C3 fissuraient à nouveau. Ah. Donc là, maintenant, j'ai les trois. Mais je vais arrêter là. Hein. Je vous laisse... ça m'inquiète, t'as trop de bruit ici. Bon, on verra ça sur le prochain épisode parce que là, je peux plus tenir. Je crois que dès que je mets ça, il va y avoir un monstre, donc on va attendre ça pour le prochain épisode. Hein. Allez, salut tout le monde et à bientôt.